j'espère que vous allez bien. Cibochef, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, tournage à l'échelle étrangère, c'est parti. Dans cette vidéo, vous allez voir du tank, du très gros tank, du combat au corps à corps et plein d'autres surprises. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Vous êtes prêts? C'est parti. Cette vidéo, la Team Shape, est en collaboration avec le jeu World of Tanks PC. C'est un jeu gratuit en ligne et tout public où on tire avec un tank. Il y a plus de 210 millions de comptes qui ont été créés. Il y a plus de 600 chars customisables, comme le T-69 qui est derrière moi. Pour chaque personne qui vont cliquer sur le lien et jouer une première partie à World of Tanks PC, un don sera fait aux blessés de guerre de la Légion étrangère. Et ça, c'est cool. Quand vous allez créer votre compte, pensez bien à rentrer le code Légion 100 pour avoir le droit à un char français premium de rang 5, 7 jours de compte premium, 250 000 crédits. Attention, c'est uniquement pour les personnes qui créent un compte sur World of Tanks PC et jouer une première partie. Maintenant, retour à la vidéo, c'est parti. Ok, Capitaine Erwan, c'est parti. Première activité, qu'est-ce qu'on va faire de beau alors? Le Uber est arrivé? Bien évidemment. L'objectif, c'est à la fois de tester les sensations dans les engins blindés, découvrir un peu, ressentir l'esprit d'équipage, que ce soit à la fois du tir canon, à la fois du tir MMP, puis un petit scénario pour voir la gestion du blessé, du secourisme au combat. Le char, il pèse combien qui est derrière nous? Entre 17 et 19 tonnes. Et c'est quoi son nom? Donc ça, c'est l'AMX 10 RCR. Donc c'est un char qui est relativement ancien, 40 ans. Okay. Il va être remplacé d'ici l'année prochaine sur le nouveau char Jaguar. Très bien. Et ça peut tirer jusqu'à combien ça? Jusqu'à 2000-2005. 2,5 km? Ouais, exactement. Ok, c'est pas mal. Let's go. Chef Thiago, enchanté. Enchanté. Ton pilote, ce sera le Brigadier Jean. Enchanté, Brigadier Jean. Enchanté, Thibaut. Pour cette mission, on n'est pas tout seul, donc nous avons l'équipage des VBL. Enchanté. Enchanté, Thibaut. Merci. Enchanté. Qu'est-ce qu'on a devant nous en fait? C'est quoi? C'est un bac à sable? Il s'agit d'une caisse à sable. C'est le modèle réduit du terrain dans lequel nous avons évolué pour notre mission. Alors, où est-ce qu'on va partir alors? Nous allons progresser jusqu'au Belvédère. En rouge, nous avons l'ennemi. Et des ennemis? Ah. Probablement. Une équipe personnelle débarquée armée léger. Donc AK-47, grenade. Ça, c'est armée léger, ça? Ah oui, tout à fait. AK-47, grenade, c'est léger. C'est ok, très bien. Individuel. C'est bon? À moi, ça? Ouais, c'est okay. Ça. Deuxième, ici, ouvre les mains. Ok. Voilà, c'est parti. Allez. Le cul d'abord. Comme ça. Histoire d'éviter de le faire tomber, tout à fait. Yes. Et on pousse dedans. Allez, ambiance, rapidité. Ok, rapidité. Hop, vas-y. Hop. On range les obus maintenant. Ça traîne trop dedans, allez. Ça serait dommage que ça tombe, ah oui. Quelque peu explosif. On charge l'obus maintenant? Oui, on charge l'obus dans la chambre, c'est mieux pour tirer. Lévier là. Vers le bas, franchement. Et voilà, on récupère l'obus et on le pousse dans la chambre. Et là on le met. Okay. Et là on y va franchement. Ah oui, oula, ok. Et ben c'est parfait, on est paré, on est prêt à partir. Il y a combien d'armes sur un tank? Pour toi uniquement, il y en a 3. C'est bien déjà. Il y a celle-là, Mag 58, et la première, elle est à l'intérieur. Ton travail, c'est de mettre les munitions. Ah ouais, ça va dans tous les sens. Ça s'assure la protection rapprochée de char. Ah, c'est incroyable, ah ouais. Ah, je pensais pas que ça bougeait autant, ok. Voilà. J'ai eu 10 au brevet, 10 au bac, et pourtant on fait des vidéos sur un tank. Elle est pas belle la vie. C'est les mêmes tanks qu'il y a sur World of Tanks. Pilote départ. C'est parti! Ah oui! Ok! Oh, cette machine de guerre quoi, c'est ouf! Est-ce qu'on peut aller sur l'autoroute avec? Désormais on ne peut plus, mais avant on le faisait. Ah ouais, avant on pouvait! Donc là c'est parti, on va aller faire un petit circuit en tank pour réussir la mission. On voit que la tourelle elle bouge. Voilà. Let's go! Ah oui, ça va vite! Ah, ça va super vite! Ok! Pensez à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo, la Team Shape. Un gros pouce bleu, c'est important. Ça peut aller jusqu'à combien de kilomètres heure? 90 environ. 90. Waouh. On marche avant comme on marche arrière. On marche arrière aussi. Waouh. Ça va très vite. J'ai les abdos contractés. Ok. Ok, ah, j'ai les abdos serrés. Ce qui est cool, c'est que dans le jeu World of Tanks, vous pouvez retrouver ce genre de sensation. C'est trop stylé. Wouhou! Au prochain salon du fitness, je veux arriver en tank. Oh. C'est un truc de malade. La tourelle, elle peut faire tout le tour, c'est trop stylé. Oh, esquive. Je kiffe mon métier. Là, ça descend au tac et ça monte. Ok. Y'a rien qui arrête un tank en fait. Pour télécharger World of Tanks, le lien est dans la description. Ok, c'est bon. Contact. Y'a des méchants. On entend des bruits de balles. Oh, c'est
commande à freiner. Il y a un blessé. Il y a un blessé. Tout à fait, on va aller extraire. On peut pas refaire un tour de tank, que c'est plus rigolo, non? Ah non, il faut aider nos camarades. Ah ouais, bon, d'accord. On est blessé par le val. Il y a un blessé. On va soigner le blessé. Il est lourd. Il mange trop. Il est en prise de masse. Ok, la première quand tu es mort de blessé, c'est l'étreignement. Tu as dit non sur sa blessure. Le garrot. Okay. Il a mal, tu vas vite. Oui, il a mal. C'est dur de tout faire. Hop. On serre à fond. Et là, on tourne avec ça, le tourniquet là. Tac, nickel. Et là, on visse. Et là, c'est okay. Bon, il est sauvé. Non. On va enlever ce qui pète. Là, tout sort son afka. On lui enlève l'arme. Attention, camarade. Le casque. Tu tiens sa tête parce que ça tombe pas derrière. Tac, attention, monsieur. Tu fais ça avec amour. Attention, il y a des cailloux. Là, tous les graphes sont directs sur le côté. Ah, ok. Tac. Là, tu vas couper sa tenue. Je coupe la tenue. Tu coupes des têtes à pieds, toute la tenue. Tout. Pourquoi? Ça sert à quoi de faire ça? Parce qu'il faut voir les blessures. Y a pas oui, oula. C'est très beau quadriceps d'ailleurs. On a combien de temps là pour le secourir? Un mec qui a une blessure comme ça, dans 2 minutes il est mort. 2 minutes? Ouais, c'est impressionnant. Ok, qu'est-ce qui se passe alors? Faut que tu touches partout. Faut que je touche partout. Faut regarder s'il n'y a pas de blessure, c'est ça? Oui, je regarde si t'as du sang sur les mains, ce genre de choses. Monsieur s'entretient, c'est très bien. Là, il faut checker les os. Donc pour le tourner, ok, comme attention ça. Attention aux ciseaux. Attention aux ciseaux, monsieur. Hop là, je le découpe encore. On combat, il reste tout nous. Ok, là. Ok, il n'y a pas de blessure là, c'est bon. On a traité cette hémorragie. À notre niveau, qu'est-ce que pour faire? C'est traiter sa douleur. Il a trop mal. Comment on fait pour la douleur alors? On va aller t'oublier, c'est la morphine. Ça, c'est la morphine? Ça, c'est la morphine. Sors des capuchons jaunes, tu percutes vers le corps. Là. Après, tu vas prendre un pli grave en ton ventre. Et on pique? Appuie pendant 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 9, 10. Et on lâche. Là, c'est bon. Ça permet d'atténuer la douleur. Parce que parfois, il est tellement mal qu'il tombe inconscient à cause de douleur. On va les mettre sur un brancard. D'accord. Ok, go. Ok, l'équipement, on le met avec. Ok. Ok, donc là on va chez le médecin. C'est là qu'il faut avoir un bon cardio. Parce qu'il faut enchaîner. On dépose là. Là il y a le médecin qui arrive et il peut le prendre en charge. Ok, la team chef, c'est parti. On passe à la prochaine action. Et pour cela, on va prendre un VBL. C'est un véhicule léger blindé, c'est ça? Blindé léger. Ok, véhicule blindé léger, pardon. Et bien sûr, comment on est à la Légion? Bah on y va en courant. Hein. Ils savent pas marcher ici. Faut leur dire qu'on peut marcher. Hein. Ok, je rentre par là. VBL, c'est ça. Le tank vient d'arriver à juste un instant. Ok. Ah, ça bouge bien là. Ah bah, c'est moyen un petit peu, hein. Sortir le buste parce que le véhicule peut se retourner et il faut pas se faire couper en deux, si ça rassure. Ça c'est cool. Ok, c'est bon, on vient d'arriver. Ok, c'est des jumelles. Jumelles infrarouges. Ah ouais, je vois bien là. Je vois en noir et blanc. On voit bien les véhicules qui passent. Donc ça, c'est jumelles qui détectent la chaleur. La chaleur, voilà, exactement. Ah, comme dans Call of. Là, il y a la dame qui filme. Vous voilà. Le voyez en infrarouge. Sérieux? Stylé. Je suis le maréchal de logis Hicham. Enchanté Hicham. On a l'ennemi qui va dévoiler sur notre position et à partir de 200 mètres, on va traiter l'ennemi avec les missiles. D'accord. Il y a des chars en face et il faut l'éliminer avec ça. Exactement. On a le missile qui peut partir jusqu'à 4000 mètres. Ah ouais, 4 km. Ok. Waouh. Il y a aucun char qui peut rester un autre missile. D'accord, c'est un missile anti-char en fait. Exactement. La cible est là, à on sort. Je sais pas si c'est un char ou une botte de paille. Ah. Dans le doute, on tire. Dans le doute. Là, il y a mon ex, je peux? Je rigole. Ok, c'est bon, il y a un véhicule char. Ok, feu. Là, on déverrouille. Feu. On a eu le char ennemi, c'est bon, nickel. Si on réussit, pouce bleu. Ok, prochaine activité, qu'est-ce qui se passe alors? Là, on va réaliser une séquence de tir canon. L'objectif, c'est de te mettre en place tireur, de détruire les différentes cibles qui vont se proposer. Let's go. C'est un peu serré, mais ça va. On se croirait dans un appartement à Paris. C'est 5 étoiles, hein? Voilà. C'est 5 étoiles, hein? L'imagerie thermique. La lunette de tireur. La lunette de tireur, ouais. Ça sert à quoi, ça? Ça sert à bouger naturel, effectuer des mesures et des tirs. On soulève. C'est là. Et on appuie sur le bouton. Ok, le canon il descend là. Ah là, il y en a un, je crois. Avec ce bouton là, on calcule la distance. Ok, donc c'est parti, on va tirer. Je lève et là je tire. Ok, c'est bon, on l'a eu, yes. Mission réussie. Ok, donc là avant le prochain exercice, Thibaut doit faire un peu de pré-fertilité. Ouais. Quelle motivation! Vous étiez pris en otage, vous avez réussi à vous échapper. Il va falloir traverser le bâtiment. Ok, là, ennemi! Neutralisé! Ok, on progresse. Je vais à droite, contact à droite! Neutralisé! Contact à vous! Attends, là! Hey!
Ah mais ça me gênait. Non mais on s'en fout, c'est ton arme. D'accord, c'est okay. Elle qui va te sauver la vie. Allez. Il s'est passé plein de choses. Il s'est passé plein de choses, oui. Qu'est-ce que t'as ressenti? C'est dur de se battre alors que déjà on a une arme. Je l'ai posé même au moment parce que ça me gênait. Oui, j'ai vu ça, c'est pas une bonne réaction. On sent l'intensité déjà. On avait fait un peu un échauffement au début, donc niveau cardio c'est monté. La tenue, et encore on n'est pas en gilet blindé, mais ça pèse du poids. J'imagine que quand vous partez en mission, etc., ça demande du cardio, mais encore plus de cardio parce qu'il y a l'équipement qui pèse. Combien il pèse l'équipement? Ça peut aller jusqu'à 30-40 kilos. Faut être assez physique. Merci beaucoup. Bravo. Salut William, ça va ou quoi? Salut Thibault, la forme? Super, en pleine forme. William, c'est quoi ton job ici alors? On est pompiers militaires pour gérer tout ce qui est intervention feu de forêt et prévention tout le reste de l'année. D'accord, ça veut dire qu'il y a des pompiers au sein de la Légion étrangère. Exactement. Qu'est-ce qu'on va faire de beau ensemble alors? Tu monteras dans le camion, on va t'équiper d'une tenue, okay. Et on partira en manœuvre. Ok la Team Shape, c'est parti, on passe en mode pompier, let's go. Ok la Team Shape, ça y est, on est habillé, beau gosse, pompier. On monte dans le camion et on a une manœuvre à faire juste là-bas, c'est parti. Donc première partie, il va falloir éteindre un feu qui est juste derrière moi. Okay. Ok les gens, il y a un feu! Tortank! Hydrocanon! En avant, okay. Deuxième partie, on se retrouve enseveli par les flammes. Faut faire un repli d'urgence pour cela. On met la lance incendie en mode fontaine à eau. Et on met des lunettes. Sauf que moi, j'ai des lunettes où je vois rien du tout pour mimer la fumée. Maintenant on va mettre l'autoprotection. C'est un système en fait qui protège le camion, qui fait une sorte de bulle d'eau autour du camion. Se protéger s'il y a trop de flammes partout quoi. Ah, il y a le vapeur en plus. Waouh. Ah bah là t'as le carouache là. Waouh. Là il y a de l'eau partout là. Là t'as de l'eau partout. Et c'est vraiment utile. Ouais franchement. En fait ouais. Le feu quand il se dirige vraiment très vite sur toi, ça permet qu'il contourne ton véhicule et qu'il continue sa route. Et toi théoriquement t'es protégé. C'est impressionnant. Et salut Ben, ça va ou quoi? La forme. Ben, qu'est-ce qui t'est arrivé toi? On m'a dit que tu t'es blessé au combat. Mon véhicule qui a roulé sur un engin explosif. Et voilà, maintenant après la guérison, j'ai cherché un peu quelque chose pour rester dans la Légion. À la base, c'était légionnaire et après, t'es devenu pompier légionnaire. En gros, c'est ça, voilà. Bon, Thibaut, c'est un cadeau du 3ème escadron. Pour nous, c'est un moyen de te remercier, d'être intéressé pour les blessés de la Légion étrangère. Avec plaisir, c'est un honneur, merci beaucoup. Tu pourrais la mettre là. Important maintenant, pensez à télécharger World of Tank PC et rentrer le code Légion 100. Jouer à World of Tank PC, c'est faire un don à la Légion étrangère. Et ça, c'est cool. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs.